tray table must now be stowed. Les 44, tu les as pas du tout essayés. Si, si. Les 44. Privé de la chambre d'hôtel. Allez. C'est carré. Aïe aïe aïe, on va chercher la boutique du barbeur. Allez gars, ça craque plus. MCB aux alentours de 16h. Dis-toi tu te connais. On va venir les balayer vers l'arrière. Et on fera les séparations et on verra après dessus comment ça se partage avec la loi. Vous êtes combien dans ton barbershop? Je sais que tu as fait quelques travaux récemment. Ouais, mais là maintenant on vient de passer à 4. Bon, pour finir, si vous avez des questions sur chacun leur technique, etc. Bayern en sort du mondial, mais quelle coupe! Mais qu'il est beau ce mec! C'est pas possible ça! Un petit autographe ça! C'est pas possible ça! Chercher un petit sac, parce qu'on a acheté trop de tondeuses et trop de matos, pas à tour Montparnasse. Incroyable tout ça, incroyable, je vous montre tout ça bientôt. Ensuite je vais venir créer des jonctions avec la technique tondeuse et peigne, vous allez voir, avec mes différents peignes et mes différentes tondeuses. Et voilà les gars, on se retrouve, on est rentré de Paris, c'était quand même une expérience vraiment énorme. C'est toujours bien d'aller au mondial, c'est la deuxième fois que je le fais, je l'avais fait l'année dernière, il y a une vidéo qui traîne sur YouTube, sur ma chaîne. Donc c'était super, franchement, j'ai acheté pas mal de choses, tout ce que vous avez vu de la boutique du barbeur, tout ça. Je vais vous montrer, tout ça, j'espère que vous êtes prêts, c'est parti. Donc déjà j'ai acheté le livre Roche, c'est le livre de The Bloody Butcher et Lynn qui ont inventé la marque Russell. Donc ils ont fait ce livre, donc il est en anglais, donc voilà. C'est un super livre en fait avec tous leurs clients, ils ont écrit une histoire en fait autour de leur... Des personnages, des coiffages super sympas en fait. Et c'est vraiment un livre quali. Quand je vous dis ça, c'est pas pour faire de la pub ou quoi. D'ailleurs, toute cette vidéo n'est pas de la pub. C'est juste moi qui ai acheté des trucs sympas et je vous les montre. En plus, donc il y avait une petite séance dédicace. Tac. Donc je vais vous montrer. Ils me l'ont dédicacé. Voilà, ce petit butcher pour Thibaut. Et je vous mettrai une petite photo. Voilà, j'en ai pris une petite photo sympathique. Ensuite, donc ils m'ont offert un petit cadeau. Ils m'ont offert un beer pong. J'ai jamais vu ça. Franchement, ils sont trop forts. Hein. Franchement, incroyable. Un beer pong, les gars. Mais vraiment, à l'effigie de Reset, de leur marque, quoi. Je trouve ça quand même incroyable. Donc voilà, vous avez le petit cochon Reset. Et même sur les verres, je sais pas, tac. Juste ici, on a les petits trucs, le petit cochon et tout, le petit Russell. Franchement, trop bien, trop sympa de leur part. Donc, même le packaging est sympa et tout. Donc, ça, vous savez où ça va aller dans le décor derrière. Hop. Ensuite, je remercie Chris Brownless, l'ambassadeur du Percute de Luxe, qui nous a offert à moi et mon pote, donc parce que mon pote a participé sur la, vous avez vu dans le début de la vidéo, il a participé à une démo en fait, il lui a servi de modèle, donc c'était bien cool et il nous a offert un petit mug Percute de Luxe. Il est franchement trop beau, en plus il est en émail, voilà. Et un petit peigne bien sympa aussi, dans le large et dans le fin, c'est pour servir pour une paint tondeuse par exemple, sur les dégradés, trop cool. Donc, j'ai acheté des Machiro, voilà, tac. Donc on change pas, Machiro c'est toujours dans une petite pochette en cuir, c'est vraiment leur marque de fabrique et c'est vraiment incroyable. Donc dedans on retrouve toujours les petites essuie-tout pour nettoyer le ciseau. Les Fijima Shiro, ils sont toujours hyper quali, franchement, énormes.
les petits pansements, et en fait c'est un sculpteur, voilà. Donc le sculpteur, c'est le Lenny à grosses dents, voilà. Même il est micro denté, je sais pas si vous allez voir au niveau des nervures en fait incurvées. Voilà, juste ici vous allez voir très incurvé, et ici vous avez des micro dentures juste sur le dessus là. C'est un peu difficile à voir, mais super sympa comme ciseau, vraiment super cool. Voilà, Machiro, hyper cool. Donc ils ont été très sympas parce qu'avec ils m'ont donné ce petit t-shirt un peu rare. C'était le ciseau un ciseau que j'avais acheté. C'est l'Empereur, il est très bien chez eux. Donc j'ai eu ce petit t-shirt très sympa, voilà, qu'ils m'ont offert avec. Ils nous ont également offert un petit autocollant sympa, Machiro Scissor, avec la police d'écriture Mario. C'est toujours sympa, franchement. Ensuite, ils nous ont offert cette petite brosse Machiro pour les dégrader. Petite brosse, voilà, pour enlever les cheveux, dégager une zone. Et un petit décapsuleur Machiro qui se déplie, qui fait un petit peu peine, voilà, pour se coiffer, voilà, tac tac. À l'américaine, un petit peu, je trouve ça hyper cool. Merci à eux. Du nouveau matos, je vous préviens. Hein. Ce petit peigne Y-Spark, donc c'est des peignes, les meilleurs peignes, voilà, ils ont juste ici, tac, un petit, pour faire les raies, juste ici, tac, une petite encoche, un côté fin, un côté démêloir, ici pour bien saisir, franchement cool. Alors là, on a le dernier article, le plus gros article sûrement que j'ai acheté. La Gamma Boosted, donc c'est Boosted, voilà. Donc c'est Gamma Plus qui fait ça. Franchement, on en parle depuis tellement longtemps de cette tondeuse, je vous jure, que j'étais trop attiré par. Je voulais savoir. Et donc, je suis allé au Mondial, sur le stand de la boutique du barbeur. J'étais conseillé par Idriss. Idriss Barber, voilà, vous devez sûrement le connaître, il avait fait le Fast Fade. En plus, il avait coupé, il me semble, avec celle-là. Et donc très bon coiffeur, il m'a conseillé et on a discuté ensemble de cette tondeuse. Et franchement, on en est arrivé à la conclusion que ben, je l'ai pris tout simplement. Donc voilà, donc vous avez un socle, vous avez donc les sabots magnétiques en dessous. Donc vous pouvez la mettre en rouge, en or ou en noir. Donc là, elle est montée d'origine en noir. Donc je vais vous montrer ça de suite. Tac. Donc on est sur un levier à cran. Voilà, on a une petite tête de coupe Gamma Plus. Pour le bruit, on est vraiment sur une bonne tondeuse. Donc voilà, c'était pour vous montrer un petit peu ce que j'ai acheté. Je ne vais pas vous présenter tout l'unboxing dans cette vidéo parce que c'est pas le but. Le but de la vidéo, c'était de vous montrer un petit peu ce que j'ai acheté, un petit peu ce que j'ai eu. Et j'oublie, hop, tac, petit t-shirt. Incroyable, même t-shirt, la boutique du barbeur, Paris 2023, incroyable, la coupe elle est incroyable, bien oversize, les manches elles retombent bien sur le bras comme j'aime, donc très bonne coupe, un beau mondial, tout le monde est super sympa, c'était bien cool de revoir tous les copains, et voilà, donc on se relance un petit peu sur YouTube, ça fait moins que j'ai pas fait de vidéo, hop. Petite vidéo, petit contenu. Je vous invite à me suivre sur mon Instagram, sur mon TikTok. Des nouvelles vidéos bientôt qui arrivent sur la tondeuse, sur le test de la Gamma Boosted et tout ça, ça va arriver. Mettez votre plus gros like si cette vidéo vous plaise. Moi, je vous dis ciao, ciao. Peace et abonnez-vous, les gars.